vais pas le faire, vas-y, vas-y, je t'assure. Ouais, mais si j'en ai pas, tu vas me taper. Tu vas me taper. On devait le battre, mais non. Défilé en fait. Il défilait au milieu des autres. C'était un défilé militaire, j'adore les défilés, surtout les défilés militaires. Bah, il n'y a que des hommes et puis ils sont virils quoi. Ça m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite. Il se détachait du groupe parce qu'il avait l'air dans la lune, c'était vraiment frappant. On voyait que lui, enfin je voyais que lui. Lui il m'a pas vu. Du coup j'ai suivi tout le cortège pour pouvoir lui parler. J'y suis allée franco. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Puis je venais de perdre mon ex-mari, alors j'avais plus vraiment grand-chose à perdre. Je lui ai dit que j'étais veuve et que j'aimais les militaires. Il n'a rien dit. Je lui ai proposé d'aller boire un verre et il m'a suivi. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Wojtek. Carte fossile, en soldat, ouais, petit papa. Ça fait un peu quelque chose, c'est un loser. Petit papa, donc la vie, quand même. Il a un peu de notes. Ok, ok, on essaie, c'est tout. Je connais Wojtek depuis que je suis né. On était à l'école ensemble. On a été dans la même classe en CE1, en CE2, en CM1, en CM2. On a vraiment fait les 400 coups. On a eu une colocation avec Wojtek. Et je sais pas, c'est quelqu'un de vraiment simple. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Je sais que je peux toujours compter sur lui. Combien de fois il m'a aidé, il m'a dépanné. Je peux l'appeler à 4h du matin, il vient, il n'y a aucun souci. Il a toujours été là et je sais qu'il sera toujours là. Je sais que si j'ai un enfant, ce sera le parrain de mon fils, c'est sûr. C'est vraiment la seule personne qui compte réellement pour moi dans cette putain de vie. Alors, en ce qui me concerne, j'ai rencontré Wojtek assez tardivement, puisque nous nous sommes rencontrés à la deuxième session pour les expériences, tout simplement. En fait, il s'était présenté à la première, et je l'avais trouvé un peu trop banal, un peu trop commun. Au début, j'étais pas très chaud, je me suis dit... Non, ce garçon n'est pas intéressant pour tes expériences et il ne fera que te gâcher du temps. Nous nous sommes rencontrés une seconde fois, je crois que c'était à la Kessel Fallstatt, et il m'a semblé intéressant, équilibré. Aujourd'hui, il s'avère être un cadre très intéressant dans ce sens qu'il résiste plutôt bien à l'expérience des petits pois. Tout se passe très bien, je suis très satisfait de Wojtek. Marche. Oui, hop là. Oui, donc c'est bon, ouais. Je crois que t'es... Oui, voilà. Très bien. Voilà. Alors, oui, j'ai rencontré Wojtek dans ses cours et il se trouvait qu'après on prenait des bières, qu'on discutait un petit peu. J'ai moi-même quelques handicaps dus à mon manque de possibilités en matière de mains. J'ai subi des blessures à certains membres et j'avais besoin de l'aide de Wojtek dans quelques-unes de mes tâches quotidiennes les plus bêtes au final. Voilà, Wojtek avait accepté de m'aider. On l'entretenait, voilà, on s'aidait mutuellement. Je lui apprenais les techniques de combat et il venait m'aider pour des tâches quotidiennes, type le bain, la toilette, des choses comme ça. Voilà. Capitaine, ça fait longtemps que vous avez perdu votre... Ah, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Attendez, faut que je remette ça. Non! Tu dis de couper ma barbe. Non! Tu me mets un peu dans les fesses.
Chef, ça va craquer. Tu les perds des petits anges blancs et tu les perds.